Nous aimons les petits noms charmants. Et en politique, malheureusement, les petits noms charmants, c'est relativement rare. Alors, j'aimerais bien aujourd'hui donner de quelques sobriquets. Le sobriquet ou le SPO, autre mot pour le sobriquet, permet de résumer en un mot la personnalité de celui qu'on veut décrire. Alors, le premier qui me vient à l'esprit, c'est, et je ne vous dirai pas de qui il s'agit, mais vous devinerez, c'est le frétillant. Alors, le frétillant, qu'est-ce qu'il fait? Il frétille, bien sûr. Il frétille avec les bras, il frétille avec les jambes. Tout le temps, toute la journée. Alors, le deuxième, c'est l'opposé, c'est l'empêcher. Ah, empêcher de qui? Empêcher de quoi? On ne sait pas. Mais il est empêché de quelque chose qu'il aimerait avoir, mais qu'il ne peut pas prendre. Qui est-il? Voilà. Et ça, c'est deux sobriquets qui me viennent à l'esprit tout de suite. Quant aux autres, aux nombreux autres, aux nombreux prétendants, aux nombreuses prétendantes à un poste ou à une fonction, on va pas dire du mal d'eux. Non, 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 on va pas dire du mal. Parce que il y en a qui mettent vraiment beaucoup de bonne volonté, qui ont envie de bien faire. Et ceux-là, on peut les apprécier, on aime leur fraîcheur, leurs couteaux sont encore émoussés. Ils n'ont pas la hargne tenace. Non, on les aime pour ça. Les autres, les vieux briscards comme moi, par exemple, on connaît leurs ficelles, on sait leur hargne. Alors, on ne dira pas plus d'eux non plus. Et je vous souhaite une bonne journée et à demain.